Salut à tous et salut à toutes, comment allez-vous? Je vais très bien en tout cas pour ma part. On se retrouve pour la 27e édition de The Podcatch. Oh oui, c'est génial. Vous prenez du champagne, vous prenez du champagne. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous prenez des chips, vous prenez des tortillas, vous prenez du tarama ou des ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce soir, ça va être un podcast juste magnifique. Et je suis accompagné de deux chroniqueurs magnifiques. Tout d'abord, nous sommes accompagnés du patron, du président, de l'éléphant de la chaîne. Bonsoir à toi, Axel. De l'éléphant de la chaîne. Parce que tu es la personne la plus importante de la chaîne au final. D'accord, et donc de l'éléphant, d'accord, très bien. Bonsoir à tous. Voilà, et ensuite nous sommes accompagnés du cinéphile, de la personne qui est un gamer aussi, et aussi qui sait jouer du ukulélé, c'est très intéressant. Il a dû faire un stage en Zambie ou en n'importe où en Afrique. Veuillez accueillir Melvin. Oh là, mon chachos. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, on parle pas espagnol en Afrique, je tiens à te dire. Oui, c'est vrai. Tu l'as pas, toi. Wow, ça commence fort. Bon, alors, comment... Ça commence fort, hein, ça commence vraiment fort. Alors, on va commencer par la première rubrique, qui sont les news. Pour les news, alors, on a choisi des news vraiment géniales. La première news est... La suspension de Reigns qui reste quand même la news la plus discutée ces temps-ci. Et j'aimerais savoir vos avis sur cette news justement. On va commencer par toi, Melvin. Que penses-tu de cette news? Sa suspension, c'est assez assez particulier parce que personne franchement s'y attendait. Ça a été vraiment une surprise pour tout le monde de la découvrir. Après. Il y a beaucoup de gens qui rigolent là-dessus, beaucoup de gens qui sont très heureux. Enfin, j'ai été très surpris de voir autant de gens heureux de quelqu'un par rapport à cette consommation de drogue. Et c'est vraiment, vraiment particulier. Mais c'est vraiment triste aussi derrière. Après, il y en a qui rigolent aussi parce que c'est une question de stupéfiant. Mais c'est quand même assez chaud. Et puis, il y a la controverse par rapport au main event de Battleground. Moi, j'en pense. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu particulier quand on arrive à ce point-là où on se retrouve dans la drogue. Donc, j'espère juste une bonne remise à niveau pour Roman Reigns et qu'il profite de ce mois pour se remettre un peu sur pied et faire en sorte que ça se passe mieux à la WWE pour lui. Très bien, merci. À toi, Axel, maintenant. Déjà très surprenant hein, quand on apprend cette news comme ça au lendemain de Money in the Bank, l'ancien champion du monde, voilà, qui est suspendu pendant 30 jours. Déjà, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, on voit que c'est la violation de la wellness policy, consommation de drogue. Enfin, on ne sait pas exactement. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles news depuis, mais on ne sait pas exactement quel type de drogue il a consommé, ce qu'il a réellement fait. Mais bon, on se dirigerait quand même plus vers de la drogue. Après, je ne veux pas dire qu'il faut tolérer ce qu'a fait Roman Reigns, mais bon, c'est vrai qu'il n'était pas non plus dans la meilleure période de sa vie, j'imagine. Ça doit être assez dur, je pense, aussi psychologiquement. Malgré que l'on n'aime pas Roman Reigns se faire siffler et huer comme ça pendant des semaines et des semaines, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on en a vraiment plein le dos et on en a marre. On en arrive peut-être à faire des actes qui ne sont pas forcément très bons, comme ceux qu'il a fait. Donc on ne connaît pas les raisons de cette consommation de drogue, mais je pense que ouais, y a quand même les fans qui sont dans le coup et je pense qu'il a craqué. Donc clairement ce n'est pas une bonne chose, la WWE tient énormément à son image, donc c'est vraiment quelque chose qu'elle sanctionne. Après, est-ce que ça va impacter sa carrière? Je pense que son avenir en 2016 ne sera pas le même que celui qu'il aurait eu s'il n'avait pas agi de la sorte. Voilà, je pense qu'il sera légèrement sanctionné. Après, voilà, il y a d'autres superstars par le passé qui ont consommé des drogues de la même manière. Et voilà, leur carrière n'a pas été si impactée que ça au final. Ils ont quand même été champions du monde, etc. Donc ça ne veut pas dire que Roman Reigns est terminé à la WWE. Mais en tout cas, je pense que pour cette année, il va descendre d'un étage. Voilà. Mais justement, est-ce que Vince, parce que Roman Reigns est un peu le bébé de Vince, est-ce que justement Vince se dit... On peut plus le mettre en tant que futur visage de la fédération ou tout ça s'il a consommé de la drogue. Ça peut être aussi possible. Oui, c'est clair que avoir en visage de la fédération une superstar qui se drogue, c'est pas voilà,
Ça donne pas une très bonne image de la fédération, bien sûr. D'où te vient ce rien-nier, Melvin? Parce que c'est assez drôle en soi, mais c'est parfaitement normal. Mais quand on connaît aussi la controverse de la WWE qui a connu plusieurs fois ce genre de problème, que ce soit dans la drogue ou dans des choses bien pires comme la prostitution, etc., c'est assez drôle. Mais après, je peux comprendre tout à fait les fameux problèmes qu'il y a déjà eu dans la drogue. Ça a été touché, comme disait Baxel, par des top stars qui ont déjà été le visage de la WWE. Après, ce qu'ils ont été après, pour être honnête, je ne sais plus ou je ne sais pas, donc je pourrais pas dire précisément, mais je sais pas, ça va forcément infecter vraiment Reigns sur le long terme. Il redeviendra sûrement le visage de la WWE, ça ne m'étonnerait pas. Parce que dans tous les cas, il a l'avantage du push familial. Donc je pense pas que ça devrait vraiment perturber, mais je pense quand même que la WWE, bah, ça va les stopper un peu, qu'ils vont le laisser un peu se remettre. Et dans tous les cas, la WWE, elle n'est pas difficile pour offrir une deuxième chance. Ils sont pas très difficiles pour ça. Donc, s'ils croient encore en Roman Reigns, ils donneront une seconde chance. Et ça ira bien, ça ira mieux, c'est tout. D'accord, très bien. En tout cas, moi, je tiens à dire que je suis à peu près du même avis. Où est-ce que vous avez fini sur cette news? Moi, je n'ai rien à ajouter. Pas plus. C'est génial, c'est génial. On va continuer pour la news suivante. Axel, ne rigole pas, s'il te plaît. J'entends tout, je vois tout. On va parler maintenant de la rumeur, enfin, qui a été confirmée maintenant, comme quoi il y aurait deux pay-per-view par mois. Il y a eu la confirmation de Backlash et de Clash of Champions en septembre, de No Mercy de Hell in a Cell en octobre, pardon. Et voilà, bah justement, quel est ton avis, Axel, par exemple, sur ceci? Alors déjà, avant de répondre à ta question, j'ai un petit coup de gueule contre les sites francophones de news. Voilà, parce qu'il y a effectivement cette photo, ce tableau qui est sorti sur les réseaux sociaux ou qui a été publié sur Reddit, je crois, aux États-Unis, voilà, on ne sait pas qui au final qui a posté cette photo. Moi, j'aurais très bien pu réaliser un tableau sur Word avec exactement les mêmes pay-per-view inventés ou faire moi-même mon tableau en inventant des villes et des arènes qui peuvent accueillir les pay-per-view, etc. Au final, n'importe qui aurait pu faire ce tableau. Et les sites francophones ont publié une news, ça y est, le retour de trois pay-per-view, c'est officiel. Non, c'est pas officiel, la W n'a rien publié à ce sujet-là. C'est une simple photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, on peut pas dire que c'est officiel, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça m'a énervé. Du coup, tous les fans, évidemment, ont repris l'information des sites francophones, ont mis sur les réseaux sociaux, oh, on aura deux pay-per-view par mois, ça y est, c'est officiel, le retour de Backlash, No Mercy, Clash of Champions, etc. Mais non, c'est pas officiel. Donc là, on a une confirmation. Donc on peut dire que c'est entre guillemets officiel maintenant pour Clash of Champions, puisque Ticketmaster, qui commercialise les tickets de la WWE, a renommé Night of Champions en Clash of Champions pour les tickets, donc bon, c'est quand même un gros indice. La page officielle de Night of Champions également a été modifiée en Clash of Champions, donc je pense que pour ce pay-per-view-là, en tout cas, c'est officiel. Mais pour ce qui est des deux pay-per-view par mois, pour ce qui est du retour de No Mercy, de Backlash, la WWE n'a rien communiqué à ce sujet-là. Il semblerait qu'on parte dans cette direction, mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Et pourtant, si je peux te rappeler, quand on était sur la conversation Skype de David Fan France, tu nous as dit quand même, oh, c'est officiel, No Mercy et Backlash sont de retour, ainsi que Clash of Champions. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu en tout cas. J'ai dit ça suite au fait que Clash of Champions ait été annoncé, parce que Clash of Champions était sur le fameux tableau qui a été publié sur Reddit, mais avant que Ticketmaster et le site officiel n'annoncent Clash of Champions, il n'y avait aucun indice qui disait que ce tableau était au final un tableau officiel. Donc jusque-là, on n'avait rien qui disait que c'était officiel. Après, j'ai supposé que c'était officiel parce que voilà, Clash of Champions était annoncé, il figurait sur le tableau, donc on peut imaginer que la suite l'est aussi. Mais il est D'accord, voilà, on tout peut à fait. pas, c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est vraiment officiel, mais en tout cas ça part dans la voie de l'officialisation, quoi. D'accord. Mévin. Moi je l'ai tout de suite plutôt pris au sérieux parce que je trouve ça assez cohérent, assez intéressant, et parce que j'ai suivi les sites français à croire que c'était officiel. Mais en effet, après, surtout avec la confirmation de Clash of Champions, ça avait l'air vrai. Et comme au final, je pense que si c'est officiel, c'est que justement la source Reddit devait être sûre, ils devaient pas déconner, ils devaient être quand même sérieux sur leur truc. Donc ça peut être compréhensible des sites français pour les défendre.
Mais tant mieux au final, parce qu'au moins, même si c'est une rumeur, bah, au moins on se rend compte que c'est quand même vrai, qu'il y a des choses à qui on a le droit de croire. D'accord, moi en tout cas, moi je suis un peu partagé. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser, parce qu'on parle du coup si c'est officiel ou pas, mais qu'est-ce que vous pensez réellement de cette news, justement, sur le fait que est-ce que ça peut être bien qu'il y ait deux pay-per-view par mois, ou si c'est mauvais, si justement ça permet de mettre des catchers en avant ou tout ça? Vas-y, Axel, on t'écoute. Je suis assez partagé. Je dirais que dans un premier temps, ça peut être une bonne chose parce que ça va permettre de mettre deux fois plus de superstars en avant. Voilà, il y aura un côté SmackDown qui aura son propre pay-per-view, donc toutes les superstars de SmackDown, enfin une grande majorité, pourront être mises en avant durant ce pay-per-view. Et de l'autre côté, on aura également un pay-per-view 100% consacré à Raw. Donc là, pareil, il y a plein de superstars qui vont pouvoir être mises en avant. Donc il y a deux fois plus de superstars mises en avant, donc c'est une bonne chose pour certains jobbers ou mid-carder ou encore low-carder qui, voilà, qui auront au final peut-être plus d'importance dans les pay-per-view. Maintenant, deux pay-per-view par mois, ça veut peut-être dire qu'ils auront du mal à remplir les cartes, hein, parce qu'avec la moitié du roster, faire un pay-per-view, ce sera pas forcément évident. Justement, j'ai peur qu'ils nous rajoutent pas mal de matchs bouche-trou. À l'époque, en 2007 notamment, quand il y avait des pay-per-views 100%, je parle de 2007 parce que c'est une période que j'ai vécue personnellement. Les autres périodes, je ne les ai pas connues en intégralité, donc je ne peux pas juger. Mais en 2007, je me rappelle par exemple des pay-per-views de SmackDown. C'était très très pauvre au niveau de la carte, à part les main events, et même les main events parfois qui n'étaient pas exceptionnels. C'était vraiment très pauvre, hein. Il y avait beaucoup de matchs de low card heure, etc. J'ai peur que la carte soit remplie un peu n'importe comment. À voir comment ils vont gérer ça. On peut être très surpris comme on peut être très déçu. D'accord, à toi Melvin, je t'en prie. Moi, j'attends vraiment avec impatience. Je suis assez curieux en fait. Donc, il y a forcément ces choix-là où, en effet, les cartes risquent pas d'être plus remplies ou d'être mieux remplies en tout cas avec les pay-per-view actuels. Mais j'avoue que je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, ça offre vraiment une diversité catchés, une diversité des catcheurs, de probabilités, de possibilités. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Et puis ça peut nous offrir deux fois plus de pay-per-view, ça je trouve ça quand même bien amusant. Après, si ça se transforme en SmackDown de 2007, comme tu le racontes Axel, c'est sûr que ça pourrait être plutôt triste, mais je fais plutôt confiance à la chaîne qui s'occupe de SmackDown and Raw, USA, qui ont l'air vraiment d'investir SmackDown au maximum, qui veulent vraiment remplir les deux shows WWE, vraiment de shows vraiment intéressants et diversifiés. Donc je m'inquiète pas trop pour ça. Je me dis qu'ils sauront régler les choses comme ils devraient le faire. Et qu'on aura ça afin de vraiment de remplir un maximum d'idées, de personnages, que tout catcheur soit rentable et que ça peut en plus donner de nouvelles chances et offrir plusieurs possibilités. Donc moi je suis vraiment curieux et ça me donne vraiment envie de voir. D'accord, très bien. Moi aussi, je tiens à dire, je suis un petit peu du même avis. J'ai un avis très partagé où j'ai envie de voir et à la fois, est-ce que ça peut être bien, notamment pour la douleur, niveau financier ou tout ça, si c'est pas trop de l'argent lancé par les fenêtres, hein, comme le disaient mes parents et mes grands-parents, hein, voilà. Mais justement, est-ce que moi, j'ai une question aussi. Avez-vous du coup, en résumé, avez-vous du coup hâte de voir cette chose, ou justement, t'avais pas Melvin, tu as un peu répondu, mais est-ce que vous avez vraiment hâte de voir ces deux pay-per-view par mois, ou justement, vous n'avez pas envie de voir ça? Moi, j'ai hâte, tout comme Melvin, par curiosité. Après, voilà, comme on l'a dit, ça peut être très bon, comme on peut être également très déçu. Donc, c'est un énorme risque que prend la WWE. Et moi, j'aimerais ajouter un truc, c'est que s'ils font ça, deux pay-per-view par mois, ok. Mais si les championnats, les titres restent les mêmes, ça va être très compliqué. Moi, je suis absolument contre le champion qui change de roster, qui peut naviguer entre Raw et SmackDown, voilà. Qu'on ait un champion du monde le même pour Raw et SmackDown, qu'on ait la même championne des Women's pour Raw et SmackDown, qu'on ait les mêmes champions par équipe pour Raw et SmackDown, ça je suis vraiment contre parce que je trouve que le principe de la draft n'est pas respecté. Voilà, pourquoi naviguer entre les deux brands? Tout d'un coup, le champion arrive à SmackDown pour commencer une rivalité à SmackDown. Le mois suivant, il repart à Raw pour avoir une rivalité à Raw. Je trouve ça vraiment. Je sais pas comment ils vont mettre ça en place s'il reste à un seul titre mondial. Ça va être très compliqué, ça va être très fouillis, je pense. Donc vraiment, il y a beaucoup
deux points où je suis curieux de voir comment ça va se dérouler et où je suis également très craintif. D'accord, Melvin. Moi, je te dis, j'ai hâte et honnêtement, même le problème de titre, c'est forcément le truc qui perturbe un peu. Parce que si forcément on a des rosters très partagés, il devrait avoir deux titres très partagés. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Donc c'est pour ça que moi, je ne me perturbe pas trop pour ça. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai vraiment hâte. Et même si c'est surtout par curiosité, je l'attends avec beaucoup d'impatience et d'envie. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je tiens à dire aussi que j'ai hâte, pour, par curiosité aussi, de voir ce que ça peut donner, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera vraiment bien géré. Et on connaît des gens qui n'en ont pas confiance, et moi-même, je me méfie de cette Burn Extension. Mais de toute façon, comme on dit, ça sera dans le futur et on a le temps d'attendre. Oh, est-ce que vous avez tout dit sur cette news? Je pense, oui. C'est bon, c'est bon. Très bien. On va passer à la prochaine news qui serait. Par soi-disant, là c'est une news ou même rumeur, soi-disant comme quoi John Cena n'était pas prévu pour le show de SmackDown après le draft. Donc après réflexion, voilà, on se dirait que soi-disant Cena ne sera sûrement pas drafté à SmackDown. Quels sont vos avis dessus, Melvin? Des avis absolument incroyables, tels que, bah écoute, quelle tristesse de ne pas l'avoir dans le roster que je préfère le plus regarder. Ah là là, je me sens malheureusement triste. Non, honnêtement, bah écoutez, c'est un peu dommage, ça nique un peu le suspense. Moi j'aurais été curieux de voir est-ce qu'ils vont garder John Cena à Raw ou à SmackDown. Après, je sais pas si c'est vraiment qu'une rumeur ou quoi, ou c'est vraiment officiel. Mais dans tous les cas, écoutez, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent. Apparemment, ils veulent garder à John Cena à Raw. Ça confirmera Raw comme un roster très, comme un show très, très divertissant, très divertissement. Donc, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, très bien, merci. À toi, Axel. Alors moi je ne prends absolument pas cette news au sérieux, j'y crois absolument pas. Après je dis pas forcément que John Cena ne sera drafté à SmackDown, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que voilà, ce serait pas la première fois que la WWE n'annonce pas un catcheur dans un show et qu'au final il soit là. Hein. Ça arrive très couramment, même en live event, sur les. Encore je crois que cette news est fondée sur Ticketmaster, je crois qu'il annonce généralement les catcheurs qui seront présents. Et voilà, John Cena aurait été retiré, je crois, de la liste, si c'est bien ça. Bon, on est à combien de semaines? Là, on est à 4 semaines de la draft. Je pense ils sont très loin d'avoir la liste déterminée de tous les catcheurs qui seront à SmackDown et ceux qui seront à Raw. Hein. Je pense que ça n'a pas encore été décidé. Donc je ne sais pas comment on peut encore juger le fait que John Cena ne sera pas à SmackDown. Je pense que c'est vraiment une news bidon qu'il faut pas prendre au sérieux. Ça peut encore changer. Les plans de la WWE changent parfois une heure avant. Donc vraiment tout peut arriver. Et je pense que voilà, il est encore beaucoup trop tôt pour se dire John Cena ne sera pas à SmackDown. C'est vrai, pourquoi partir pessimiste alors qu'on peut s'attendre à tout avec la WWE? Alors moi j'ai une toute petite question dessus justement. Est-ce que du coup, honnêtement, est-ce que vous serez partant pour que Cena aille à SmackDown ou pas? Vas-y Axel. Oui, parce que évidemment, il faut une grande star pour remonter le show vers le haut. Ils veulent partir dans un peu une bataille des audiences entre Raw et SmackDown. Et s'ils veulent que ça fonctionne, c'est clair qu'il faut une grosse superstar du côté de SmackDown. Une grosse superstar qui fasse monter les audiences. Et je pense que John Cena peut facilement y contribuer. Après, il y a d'autres top stars. Hein, mais voilà, John Cena dans le show bleu, en plus, c'est pas arrivé depuis très longtemps. John Cena a passé la majeure partie de sa carrière à Raw. Voilà, ça ferait plaisir de le voir à SmackDown, ça changerait un peu, ça innoverait, donc moi je suis plutôt pour. J'espère que ça se fera. Très bien, Melvin. Même chose qu'avec ça, je trouve que c'est un très bon choix. Je prouve vraiment, j'ai même pensé qu'avec ça. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter dessus? Non. Non. Très bien. Alors, on va partir sur le prochain sujet qui est soit. Alors, la dernière. Du coup, bon, un petit douze un peu hors douleur, enfin si c'est lié au final, ça serait sur le jeu WWE 2K16 et soi-disant, je sais pas 2K17, si ça a été pardon. confirmé. Pourquoi j'ai dit quoi? 2K16. Très bien, alors moi voilà, j'ai un an de retard, je suis comme ça.
Je suis comme Canal+. Ah, très bien. Bon, alors, on va pas faire placement de produit, surtout si c'est pour tailler. Du coup, justement, sur 2K17, soi-disant la cover de serait Brock Lesnar. Ah bah tiens, Melvin, dis-nous, toi qui es le spécialiste des jeux vidéo de Daily Fan France, dis-nous ton avis dessus. D'accord, j'apprends des choses. que voulais-tu savoir déjà? J'ai complètement zappé. Très bien, alors on voit les chroniqueurs qui nous écoutent, c'est génial, je me sens écouté. On disait justement que soi-disant Brock Lesnar Oui. serait la cover, ferait la cover de Oui. WWE 2K17. Non, j'ai compris, c'est la dernière phrase que tu as dit que j'ai pas compris. Bah, qu'est-ce que j'ai dit de plus? J'ai juste dit que tu étais un peu le spécialiste des jeux vidéo, voilà. Donc dis-nous ton avis. Ah, tu... Oula. La particularité, c'est que je me pense. Eh, oui, ça va. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est je pense C'est que pas c'est grave. comme pour Stone Cold Steve Austin. C'est la question que je me pose. On va du coup avoir justement cette histoire que la cover fasse l'affiche du 2K Showcase. Et du coup, bah, le 2K Showcase sera surtout basé sur la carrière. Oui, parce que c'est difficile de dire que Brock Lesnar a une carrière dans sa vie. Sur la carrière de Brock Lesnar, du coup, et ce qui rapportera justement qui est Goldberg, du coup, qui sera sûrement du coup à la fois disponible uniquement en précommande, mais auquel on pourra sûrement l'affronter sur le 2K Showcase. Donc oui, moi je pense que c'est surtout par rapport à ça, du coup, que ça spoil au passage un peu le thème du 2K Showcase. Et je trouve ça plutôt sympa. Justement, c'était à ça que je pensais. Justement, on s'est emballé tous pour ce Goldberg à SummerSlam, mais est-ce que simplement c'est Goldberg sera lié au 2K Showcase de Brock Lesnar? Voilà, on a vu sur la vitre de la voiture dans le hashtag, je sais plus quoi d'ailleurs c'était. Hashtag Voilà, où ça nous a vraiment posé des doutes. On était juste à. C'était Tom qui avait dit ça, qu'on allait juste qu'à parler de Elimination Chamber. Mais voilà, et justement, il y avait cette photo de Suplex City. Et ben justement, est-ce que ça serait lié, voilà, à ce 2K Showcase? Voilà, c'est ce que je me suis demandé. Et ben on va demander l'avis à Axel sur tout ça. Je ne pense pas. Après, j'ai du mal à imaginer qu'il fasse un showcase sur la carrière de Brock Lesnar parce que. Voilà, quand on regarde vraiment, Brock Lesnar, sa carrière n'est pas très très longue. Il n'a pas réalisé énormément de choses. Hein. Brock Lesnar, quand on regarde, il n'a pas eu des rivalités très marquantes comparé au showcase de Steve Austin que nous avons eu l'an dernier. Voilà, c'est pas la même carrière, c'est pas la même durée, etc. Donc ça me paraît bizarre qu'il fasse un showcase sur la carrière de Brock Lesnar. Peut-être un nouveau mode, je sais pas. Mais j'ai du mal à imaginer ça. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Louis, moi je crois toujours au retour de Goldberg. Il va jouer un rôle à la WWE, c'est une certitude. Voilà, il n'est pas en bonus de précommande, voilà, comme ça pour rien. Il fera son retour à un moment donné. Peut-être pas pour SummerSlam, voilà, on n'aura peut-être pas Goldberg Brock Lesnar à SummerSlam, on n'aura peut-être pas Goldberg Brock Lesnar tout court d'ailleurs. Mais voilà, d'ici WrestleMania 33, je pense vraiment qu'on aura Goldberg à la WWE. Il y a vraiment une raison pour qu'ils aient fait tout ce teasing autour du jeu vidéo de cette année. On a eu l'Ultimate Warrior, encore une fois. On a eu qui en bonus de précommande aussi les années précédentes? Sting. Sting, voilà, qui a fait ses débuts. Et en général, il y a toujours une raison. Terminator. Ouais, bon, Charles ok. Zelayer aussi. Eh ben du coup, bon alors je pense que les abonnés peuvent noter ça. Axel a bien dit qu'il serait de retour d'ici WrestleMania 33. Alors, on verra si tes pronostics sont vrais. Bon T'es bah pas du alors même on avis? a. Pas du tout. Pas du tout, Bah moi je d'accord. sais pas, je suis un peu partagé. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Parce qu'il était parti en froid, mais apparemment voilà. Bref, moi je dis si j'attends à voir. Moi j'aimerais qu'il soit de retour, mais après est-ce possible? Et j'ai du mal à y croire. Voilà, je suis un petit peu cartésien au niveau de ça, même si ça veut rien dire, strictement rien dire ce que je viens de dire. Voilà, mais en tout Et... cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dessus? Ouais, est-ce qu'on peut parler un peu Juste. de la cover? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très jolie. Très sympa. Et je suis content que ce soit Brock Lesnar dessus, justement. Mais du coup, c'est D'accord. très marrant parce qu'elle ressemble beaucoup à WWE Bah, les covers de 2K sont tous les ans tous se les mêmes. ressemblent beaucoup. Ouais. Ils innovent pas beaucoup, c'est le même fond, c'est juste la superstar qui change à chaque fois. Et j'ai encore un petit coup de gueule, voilà, c'est les gens qui sont Ah déçus de cette bah cover et décidément. qui disent voilà, c'est moche, c'est nul.
Mais j'ai envie de dire, c'est qu'une Regardez la cover, couverture, qu'est-ce ça. qu'on s'en fiche au final? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui achètent un jeu pour la cover, qui se disent, oh non, la Hey, cover elle est moche, le attends. jeu a l'air génial, mais la cover est moche, je l'achète pas. Non mais sérieux. Attends, en tant que chroniqueur gamer. Non, spécialiste chroniqueur gamer, pas pareil. Spécial chroniqueur gamer. Honnêtement, déjà quand on était jeune, c'est ce qu'on faisait. Même si, forcément, pour les jeux de sport, ça se fait beaucoup moins, parce qu'il n'y en a toujours qu'un par style de jeu. Et puis, on peut se plaindre de WWE, mais bon, FIFA, c'est pas mieux. Le jeu de tennis, c'est pas mieux. Le jeu de basket, c'est mieux. Mais, honnêtement, ouais, et puis, je trouve pas ça si dégueulasse. Encore, ils sont pas chiés comme à l'époque du 14 avec juste The Rock et juste quelques effets de fumée. Encore là, ils se sont fait un petit peu plus chier à faire des petits effets d'éclair et tout. Moi, je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils mettent trop de budget dans une cover, quoi. Et qu'ils s'occupent au moins du jeu et qu'ils fassent progresser le jeu, ça sera tant mieux. Après, oui, c'est la cover, c'est pas forcément très important. Mais c'est vrai qu'une bonne cover, ça fait quand même du bien parfois et ça nous met heureux quand on l'a sur notre commode. C'est vrai que pour me rajouter un peu à ce qu'a dit Axel, c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette annonce de Burning Station, il y avait beaucoup d'abonnés qui, il y avait même des Photoshop dessus et je comprenais, ça me faisait rire. Mais bon, ils se mettaient genre SmackDown versus Raw 2017 et tout ça avec des photos de Rollins, d'Ambrose et de Reigns. Enfin voilà quoi, c'était vraiment bien, en plus c'était joli, hein, j'ai bien aimé. Mais voilà, moi honnêtement, ils allaient pas faire ça juste après la Burning Station, quoi. Ils allaient pas mettre directement un SmackDown versus Raw et je pense même que le SmackDown versus Raw ne reviendra pas. Voilà, c'est mon avis, c'est fait. Vous avez quelque chose à rajouter sur Touquet 17, non? Et pour revenir sur ce que tu disais, après, c'est pas parce que le jeu s'appelle 2K17 qu'il n'y aura pas la Brand Extension dans le jeu. Hein. Ils Mais peuvent très oui, bien séparer les il sera mais rosters. Mais il y a toujours eu la Burning Station dans le jeu. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que les gens voyaient SmackDown versus Raw. Et non, je disais, c'est pas parce qu'il y a eu la Burning Station qu'ils vont remettre SmackDown versus Raw. C'est ce que je veux dire par là. Dans tous les cas, 2K n'enlèvera pas leur système de. Ah bah On non. met le nom de la fédération, puis derrière on rajoute 2K avec le nom de l'année. Ils en resteront là, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, est-ce que, d'ailleurs, petite mise à part, est-ce que vous êtes content justement que ce soit 2K qui ait repris un peu ce jeu de catch? Est-ce que vous, depuis 14, ouais, non, c'était 14, est-ce que vous étiez content justement que de ces jeux qui sont sortis avec eux? Axel, je te laisse démarrer. Honnêtement, moi personnellement, ça m'est un peu égal. On a peut-être eu des progrès au niveau du graphisme hein, depuis. Je suis pas non plus un professionnel dans le domaine, mais. Voilà, je trouve que au niveau graphisme, on s'est un petit peu amélioré. Mais moi, je reste toujours le genre de joueur qui dit que les jeux de catch, c'est un peu toujours pareil. On s'en lasse rapidement. Voilà, une fois qu'on a fait le mode showcase, on arrive au mode carrière qui est quand même très répétitif, faut l'avouer. Et encore, on l'a que depuis Ouais. 2 ans, ce mode. Le mode univers, voilà, également, ça reste très répétitif. Il n'y a pas beaucoup de cinématiques, c'est assez pauvre. Vraiment, moi, je m'ennuie vraiment beaucoup dans les jeux de catch. Le seul point positif, je pense, c'est quand on peut jouer en local avec d'autres joueurs, ça peut être sympa. Parce que je crois aussi que le mode réseau n'est pas non plus au top Il de est sa buggé. forme. Il Il y a beaucoup de a tout encore un latence. peu du mal. Non, 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 moi je trouve qu'il marche bien. Bah, attends, moi je peux rappeler un petit truc à Axel. C'est qu'on avait voulu faire une partie du catch à deux et on avait attendu, je sais pas si tu t'en rappelles, 3 quarts d'heure, 1 heure, pour même pas jouer du coup. Je sais pas Oui, si bah tu t'en non, rappelles. non, oui. Je m'en Le rappelle. problème, c'est Voilà. que les serveurs en ligne de WWE, faut le faire dans le début du jeu, sinon tu trouves personne. Et ah bah quoi que non, moi je trouve que moi quand je cherche des parties comme ça, je trouve toujours du monde. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu ralenti, mais bon, un touquet 15, c'était vraiment pire quoi. On ne pouvait pas jouer en ligne quoi. Mais bon, justement, c'est parce que je pense que les serveurs aux États-Unis, enfin c'est même pas je pense, c'est que les serveurs aux États-Unis marchent beaucoup mieux qu'en France et qu'en Europe. Voilà, c'est très égoïste ou je sais pas fait exprès, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, aux États-Unis ça marche très bien et ben chez nous en France ça marche pas trop bien. Voilà. Et Ah, quelque chose en c'est plus plus. particulier que ça. C'est plus particulier que ça, mais c'est compliqué à expliquer. C'est pas très intéressant. Ouais, bah, voilà, c'est spécialiste du game qui parle là, il est vraiment dans le game. C'est génial, hashtag FunnyBabe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah moi, vu que j'en ai pas vraiment parlé, Ah bah si, je t'en prie. je suis parfaitement d'accord avec Axel. C'est vrai qu'on s'en lasse très vite, ce genre de jeu où tu t'amuses un peu à découvrir certaines choses, à découvrir les histoires comme les 2K Showcase. Mais ça manque encore beaucoup de choses et c'est vrai que moi je suis content parce qu'en soi 2K c'est quand même une sacrée entreprise niveau jeu, ils font quand même NBA 2K qui sont très très bien et très très beaux, je vous conseille au moins de jeter un coup d'œil. Et un mode carrière qui tient la route aussi.
Oui, enfin, quand ils demandent de faire des scénarios par Spike Lee, je sais plus quoi là, c'est une très très mauvaise idée, parce que quand tu joues en blanc et que tu es dans une famille noire, ça marche moyen. Oui, je me suis fait la remarque. Mais sinon, oui, l'histoire est plutôt bien portée. Il y a très très peu d'histoire quand même, hein, sur les jeux NBA, c'est assez cohérent. Mais le jeu en soi, normalement, est graphiquement beau. Et que pour les jeux WWE, ils se sont pas encore vraiment penchés sur le cas, j'ai l'impression. Mais ils font progresser le jeu au fur et à mesure. C'est un peu dommage aussi qu'il manque beaucoup de fonctionnalités, notamment qu'ils ont retiré les finishes, création de finish, même s'ils ont pris le truc de l'arène. Ils ont enlevé pas mal de choses que THQ avait fait, et ça, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que même graphiquement, même si c'est beaucoup embelli, la remarque se fait très très vite quand on passe au 14 et au 15. Le jeu a quand même pris une belle claque graphique. Malheureusement, il est encore loin derrière avec beaucoup de dégueulassitude. Genre, on ne peut pas catcher avec les divas parce que tu ne les reconnais tout simplement pas. Il y a beaucoup de bugs. Taylor Breeze qui a un visage très rond. Kevin Il Owens y est a... amaigri. Oui, je sais pas pour celui-là, j'ai pas fait gaffe. Mais il a un visage très rond. Ils aiment bien faire des visages ronds aussi, surtout. Mais Ouais, oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire. ils étaient tête ronds quand ils ont fait ce jeu. En tout cas, alors moi j'ai quelque chose à rajouter aussi sur ce jeu justement. Parce que c'est vrai que 2K, ils sont vraiment un aspect très, très commercial, sportif à ce jeu. Alors que les jeux d'avant, c'était très... Vraiment très, voilà, on avait des modes de jeu, on avait tout ça, et eux, ils se comportent sur un mode de catch vraiment basique. Et c'est peut-être un bémol que je trouve à cette, j'aime beaucoup hein, ces développeurs, mais voilà, c'est peut-être un bémol comme quoi, voilà, honnêtement, c'est vraiment très classique. Voilà, les matchs sont classiques, tout ça. Mais si je peux, en tout cas, il est très joli. Et je vous conseille d'ailleurs, voilà, il y a vraiment voilà, il y a des trucs où il y a des chaînes YouTube pour ça où ils nous montrent. Des petites pubs où ils nous montrent bah, genre 5 modes qui devraient revenir. Je sais plus qui c'est qui fait ça. 5 modes qui devraient revenir dans ce 2K17. Et je peux vous dire, donc là, ils nous remettent tous les modes de jeu qu'il y avait dans les jeux bah, de SmackDown vs. Raw et même avant. Et je peux vous dire qu'on se fait Madeleine de Proust la gueule avec ça. Honnêtement, on a vraiment tous les modes de jeu qu'on adorait avant. Et là, on les reçoit tous. Et je trouve ça vraiment génial. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à part ça? Non. Pas plus, ouais. Mais si que s'il y a des youtubeurs qui sont des youtubeurs gamers de l'autre côté qui se fassent plaisir Element à faire Games, des je études. crois. C'est un Américain, je crois. Il s'appelle Element Games. D'accord. Ouais, voilà, s'il y a des mecs sur YouTube qui ont envie de se faire plaisir sur le jeu, qui fassent le monde de l'univers et qui créent leur propre scénario, ça peut être très drôle. Enfin, très drôle, hein. Quand c'est Roman Reigns qui se retrouve au main event de WrestleMania contre Santino Marella, on est moins heureux. Bon, voilà. Parlons pas de la vie privée. Alors, est-ce que vous avez fini? C'est bon, vous avez fini? On passe à la prochaine rubrique? C'est bon. Oui. Ok, alors la prochaine rubrique, ce sera le débat. On se retrouve tout de suite. Et pour ce débat, on va parler alors d'un thème très particulier. Et je vois les gens sur les commentaires qui vont dire oh! Enfin voilà. Mais moi, c'est moi qui ai eu l'idée et on était plutôt d'accord sur ça. Comme quoi, ça pouvait vraiment être sympa d'en parler. C'est est-ce que John Cena est un catcheur divertissant? Parce que c'est vrai qu'on crache beaucoup sur John Cena, oui, si, oui, ça, mais ça reste quand même le visage de la fédération au final. Et justement, est-ce qu'il est très divertissant, que ce soit dans le ring, que ce soit en dehors et tout ça? On va donner la parole à Melvin. Alors, est-ce que John Cena est divertissant? Bien sûr qu'il est divertissant. Après, ça dépend de la vie de chacun. Hein. Pour certains, il a l'air juste d'un idiot. Pour d'autres, il est incroyable. Enfin, John Cena, de toute façon, très peu de gens peuvent le nier. Déjà, au micro, c'est quand même quelqu'un de vraiment, vraiment très impressionnant. Il l'a montré à son retour, notamment. Après, voilà, je suis pas fan des speeches archi-américains poussés à 200%. Mais il avait de la gueule, il avait de la voix, il a montré qu'il savait parler, même s'il l'a très bien montré. Il a montré qu'il savait rapper aussi, mais ça, c'était il y a plus longtemps. C'est un mec qui sait utiliser des mots, qui clash un peu. Après, il y a des fois où tu dis il faut pas pousser mémé dans les orties. Genre, notamment, je vais repasser sur une des promos pour Money in the Bank. La signature de contrat entre John Cena et AJ Styles, où AJ Styles part, et tu vois John Cena sans même le regarder, shut up! Enfin, ça pue absolument pas le théâtre.
Donc c'est un peu triste, un peu dommage des fois que ça sente juste le mec. Ça sent pas le naturel parfois. C'est ça qui est un petit peu dommage, notamment dans ses speeches avec les autres. Ça pue un peu ça pue un peu trop le héros. Et des fois c'est un peu dommage, c'est qu'on nous le fait un peu trop bouffer comme un héros. Et c'est beau pour les enfants, mais quand on commence à vieillir et qu'on se dit que la vie c'est du caca, bah, on commence à ça nous commence à nous faire chier. J'ai fait une sacrée correspondance, c'est incroyable. Mais il est vraiment intéressant, il est vraiment intéressant à écouter, à voir. Ses segments sont parfois très intéressants. Il nous l'a bien montré, je trouve que son retour, il nous a vraiment pas montré du mauvais. Il a été vraiment très sympa pour son retour, c'est vraiment cool. Comme quoi, sa blessure lui a fait du bien. Après, sur un ring, alors, en parlant sur sa globalité de carrière, je suis pas un très grand fan. Mais c'est vrai que c'est divertissant. Le Fagnavolt est une prise divertissante parce qu'il y a de la provoque, il y a du style, il y a du temps. L'impact est moins là, mais c'est déjà ça. Et c'est un catcheur qui, sur sa globalité, reste quand même assez divertissant. Il joue avec le public et tout. Il y a tout. Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément des prises très impressionnantes. Hein. C'est des prises encore assez basiques. C'est du catch un petit peu à l'ancienne. Mais c'est vraiment cool. Et aussi une des grandes bases de John Cena, c'est qu'il sait apporter un. Il sait faire bouger le public. Et ça, c'est une de ses plus grandes forces, c'est qu'il est capable de faire bouger le public pour et contre lui. Et c'est ça qui est très fort. Et des fois, qui me fait un peu chier personnellement, c'est lui qui balance les chants. Le John Cena, c'est entre guillemets lui qui l'a lancé. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il aime beaucoup jouer avec le public et c'est une arme très importante, surtout à la WWE et dans le catch. Parce que dans le catch, c'est là où c'est le sport où il y a justement le plus d'importance pour le public. Et bah, on a besoin de personnages comme John Cena. Merci à toi. On va passer maintenant à l'avis d'Axel. Oui, alors John Cena, bien sûr qu'il est divertissant pour de nombreux fans. Je dois même avouer, moi qui ai un petit peu de mal avec John Cena d'habitude, que depuis son retour en 2016, il ne m'a pas gêné, il m'a vraiment beaucoup diverti. Voilà, il a rien fait qui m'a vraiment dérangé depuis son retour, donc voilà, je suis assez content qu'il soit de retour. C'est rare pourtant que je dise ça, mais John Cena, il nous a proposé des bonnes choses, comme l'a dit Melvin, un bon speech pour son retour. C'est quelqu'un qui est très bon au micro, faut l'avouer. Bon, comme tu l'as dit, Melvin, il a également parfois des speeches un petit peu trop américains, un peu trop Superman aussi des fois. Moi, ce que je peux reprocher à John Cena, c'est pas l'homme en lui-même, c'est pas voilà son micro parce qu'il reste bon, c'est pas son in-ring, bien que son in-ring soit assez faible, assez répétitif. Il peut également nous proposer de très grands matchs face à de grands adversaires. On l'a vu face à AJ Styles, on l'a vu face à Kevin Owens, on l'a vu face à CM Punk. Face à Edge également, face à Randy Orton, il peut nous proposer des bons matchs, de très bons Face à matchs Damien même. Sandow. Quand il a caché sa mallette? Oui. C'est ironique. Bien sûr, Ah, c'est c'est toujours merci. ironique avec moi. Merci, merci, je me disais. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il peut nous proposer des bons matchs. Son in-ring n'est pas son plus grand défaut. Moi, ce que je reproche à John Cena, et c'est pas à lui-même que je le reproche, bien que peut-être qu'il y ait pour quelque chose, j'en sais rien, mais c'est sa mise en avant qui est selon moi trop poussée. Il est à 15 titres mondiaux aujourd'hui. Est-ce que John Cena mérite réellement ses 15 titres mondiaux? Voilà, j'en suis pas persuadé. Moi, s'il y a une chose qui m'énerve, c'est pas John Cena en lui-même. John Cena, voilà, je m'en fiche à la rigueur. Si j'ai quelque chose contre John Cena, c'est sa mise en avant, le fait qu'on bouffe tout le temps du John Cena, tout le temps du John Cena dans le main event. Il y a tellement d'autres choses possibles. Je dis pas ça pour cette année, parce que c'est vrai que depuis qu'il est revenu, là, il nous fait une feud avec AJ Styles, et c'est tant mieux. Il nous squatte pas encore le main event, bien que j'ai peur que l'on arrive rapidement aux 16 titres mondiaux, parce que bien évidemment, il va falloir battre ce record. Et voilà, le fait qu'il soit mis en avant tout le temps, c'est une obsession chez les officiels de voilà mettre John Cena tout le temps en avant, en avant, en avant. Il n'aurait pas dû avoir le palmarès qu'il a aujourd'hui selon moi. Il y a des lutteurs dans le roster qui sont beaucoup plus méritants selon moi, qui sont meilleurs dans un ring, qui sont beaucoup moins limités. Voilà, c'est l'image de la fédération. Il est adoré des jeunes, il vend beaucoup de marchandises, donc ça je suis d'accord. Faut le mettre en avant, mais pour moi il est trop mis en avant et c'est la seule chose qui me dérange chez John Cena.
Et pour répondre à la question du débat, sinon oui, objectivement, il est divertissant, on peut pas le nier, c'est quelqu'un qui est aimé, qui est beaucoup moins détesté que Roman Reigns selon moi. Et voilà, il a également beaucoup de haters aussi qui le sifflent pour suivre le mouvement de la foule, mais qu'au final, je suis sûr, ne le déteste pas tant que ça. Et voilà, en tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, je fais partie des gens qui ne sont pas fans de John Cena, mais qui non plus le détestent pas. Voilà, il me dérange pas à l'heure actuelle, et tout ça parce qu'il n'est pas mis en avant, tout simplement. Donc, j'en ai juste marre, c'est quand John Cena est dans le main event et qui monopolise le main event alors qu'il y a des tas de jeunes qui pourraient être à sa place. Tout simplement. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, ce que tu dis, Axel, comme quoi c'est vrai qu'on en a beaucoup bouffé du Cena et du Cena, mais tu dis depuis le retour, depuis 2016, mais honnêtement, ça va faire depuis SummerSlam 2014, aux environs de là, jusqu'à voilà 2015, où on ne l'a vraiment plus vu au main event. On ne l'a plus vu au main event, il a toujours été contre Rusev, contre tout ça. Et je trouve que justement, pour les officiels, ça a été un risque, et ça a été un risque, et à la fois, ça a très bien marché. Parce qu'ils avaient peur et au final, ouais, le résultat, Cena est pas. C'est normal que Cena ne perde pas face à des Kevin Owens ou face à AJ Styles. Hein. Moi, je serais prêt à parier qu'il va perdre face à AJ Styles, qu'il va gagner AJ Styles plutôt à Battleground, etc. Pourquoi? Parce que c'est John Cena et c'est quelqu'un qui vend beaucoup et ça, on peut pas le renier. C'est peut-être un des catcheurs qui vend le plus. Voilà. Et Cena, c'est une marque. On peut pas dire autrement. Comme le disait Le Rock, c'est une marque de céréales avant Summer 27. Il l'a dit mot pour mot. Mais bon, bref. C'est une marque. Et c'est ça. Voilà, il a City Short, où il y a des gens qui révoltent même contre pour des trucs de bière ou tout ça, comme quoi ça marche. Et tout ça. Et je trouve que c'est quelqu'un de très divertissant déjà dans le domaine de style. Parce qu'on peut juger un divertissement déjà pour le style. Parce que voilà, il y a un style extraordinaire. Il y a un travail maintenant parce qu'il fallait imaginer de partir d'un rappeur avec une casquette pour venir avec des t-shirts colorés et tout ça. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Voilà, c'est normal qu'ils continuent à faire ça parce que ils ont trouvé une idée très originale depuis quelques années maintenant et du coup ils veulent les continuer et c'est tout à fait normal. Et ils vont aussi nous dire que soi-disant Cena est très divertissant aussi au niveau parole, même si parfois c'est un peu flasque, il fait un peu faux, il n'a pas dû faire des cours de théâtre malheureusement, mais on peut pas lui en vouloir parce qu'il parle très bien, il fait très bien la tête du faillot et tout ça, parce que voilà quoi, c'est un peu le faillot, hein, il ne supporte pas insulter ses fans, et pourtant il se fait défoncer par eux, donc voilà quoi. Mais honnêtement, moi je préfère voir Cena dans un main event que voir un Reigns dans un main event. Parce que Cena, il a ça derrière. Il a du charisme, il a un style, un très bon style. Je dis pas que Reigns n'a pas de style. Hein. Reigns, il a un style certes, mais pas comme John Cena, quoi. Et il vend pas Reigns, enfin très peu du moins. Et aussi, Cena a aussi des prises. C'est vrai qu'au niveau innovation, et quoi, moi je reste très surpris de ce. Non, comment il s'appelle? Ce Springboard Stunner. Stunner, Ouais. oui, voilà ça. Et ça, il l'a sorti la première fois à WrestleMania 31, mais j'ai fait tout le tour de ma baraque dans le jardin et tout, voilà, parce que j'ai trouvé ça génial. Oh. C'est Cena qui innove. Et Ouais, quand tu vois t'es pas Cena bien dans faire ta ça, tête, hein. C'est pas comme si le move était magnifique non plus, hein. ouais, en plus le move oui, est mais pas Rusev l'a super très bien bien fait. vendu. Rusev a très bien vendu la prise et Cena l'a très bien fait aussi. Et moi, j'étais. Voilà, le fait de voir Cena innover parfois, ça fait plaisir. Et surtout qu'il se l'est approprié à cette prise. Ouais, Et mais voilà. juste, il faut qu'il innove dans ces cas-là, dans des prises qu'il sait faire. Voilà, qu'il ne va pas botcher une fois sur trois. C'est une marque, il a besoin. Moi, je n'aime pas Cena. Je tiens à le dire. Et les gens vont dire, ah, oh, mais il défend Cena. Je défends Cena parce qu'il y a des raisons, mais je ne l'aime pas. Mais Cena, il faut l'avouer, c'est quand même quelqu'un qui. Voilà, on ne peut pas lui faire innover des prises à Cena. Parce que je vois Thibaut rager dessus, hein, mais bon. Et je vois beaucoup de monde, même d'autres rager dessus. Parce que Cena, il a besoin d'avoir. Et c'est ça le problème, mais c'est obligé. Parce que Cena, comme c'est une marque, comme c'est ça, comme c'est lui, comme c'est la personnage principale, il a besoin d'avoir un truc que tout le monde connaît et que tout le monde dise, waouh, ouais, c'est trop bien, il fait ça, on a l'habitude. Mais voilà, c'est sa marque de fabrique, c'est comme un super-héros ou Non, mais Batman à la fin ou c'est tout ça, ou bref. compréhensible, mais son arsenal, Est très faible. non,
Non, il l'est plus. Il l'est plus. Mais pendant un long Ah moment, si, son si, arsenal quand est même. faible. Maintenant, ouais, mais justement, la question d'innovation, il fait quelques prises en plus. Même à Money in the Bank, on l'a vu un petit peu plus innover, c'est de nouvelles choses. Il reste encore assez faible, mais déjà, c'est bien mieux qu'il y a de ça quelques années où il restait très longtemps pareil. Et c'est pas parce que c'est justement une marque qui doit toujours faire la même chose sans histoire de faire un petit peu de choses. Et c'est le gros problème, c'est que si on se met dans le temps où une marque doit toujours faire toujours la même chose, comme en ce moment Cesaro, qui quand même était super, superbement bien pour son arsenal incroyable et des prises complètement super bien foutues et réalisées, s'est retrouvé à balancer ses souplesses de la troisième corde depuis la deuxième corde, son dropkick sur un mec qui est sur la troisième corde, pour juste faire des King of Swing et faire des Cesaro Swing et des uppercuts. C'est dommage, juste parce que bah, ça plaît aux marques, ça plaît aux gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, alors que justement, c'est les prises impressionnantes qui l'ont fait connaître. C'est pour ça que je vois les gens venir dire ouais, mais voilà quoi, il innove pas ses prises, il est mauvais. Et alors que ce sont les premières personnes à aimer, bon, je cite pas tous, hein, bien sûr, mais ce sont les personnes à aimer Brock Lesnar et tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas un argument valable, mais bon, toi, Melvin, tu sais que c'est tu aimes bien tous ces types-là et c'est voilà. Mais il y en a, je parle des gens, il y a des gens quand même qui nous disent ça, et ça, je reste quand même, je trouve ça aberrant plutôt d'entendre des choses pareilles. À toi, Axel. Ah T'as bah, quelque chose à rajouter dessus, sur tout ça? sur ce que tu viens de dire, ouais, pour faire une comparaison, c'est vrai que j'ai dit que Johnson était limité dans un ring, mais c'est vrai qu'on a connu pire, comme l'a dit Melvin, on a connu pire. John Cena me dérange moins qu'avant dans un ring. Oui, il a quand même évolué, il faut l'avouer. Pour faire une comparaison, notamment avec Roman Reigns, j'ai beaucoup plus de mal avec lui, par exemple, qu'avec John Cena. Roman Reigns est beaucoup plus limité selon moi. Et c'est vraiment le genre de catch, voilà, où à part le spear et les Superman punch, tu retiens aucune prise de son arsenal, quoi. Il a rien d'autre, clairement, Roman Et Reigns. même, chose surprenante, le dropkick sur la première corde qui faisait une période, il a vraiment arrêté de la faire actuellement. Oui. D'ailleurs. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus son arsenal se restreint. Et John Cena, c'est l'inverse, faut le reconnaître. Mais aussi, parce que tu parlais de ouais, on aime bien Brock Lesnar et tout. Moi, Brock Lesnar, je l'aime pas pour les mêmes raisons et pour des raisons qu'il en a strictement rien à foutre. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. S'il y a vraiment des catcheurs à voir qui sont à la fois divertissants et qui sont bourrés de talent, c'est des gars comme Kevin Owens. Cesaro franchement, à ses débuts, pour moi, s'il y a un match de Cesaro à voir, c'est l'Elimination Chamber match auquel il a participé, qui est vraiment une très belle surprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon catcheur? Tiens, vu qu'on en parle, des bons catcheurs bons et divertissants, tiens, faut Edge qu'on en parle. Styles. AJ Styles, même si au niveau divertissement, c'est pas encore ça. Dean Ambrose, il est divertissant. Divertissant et son catch est loin d'être mauvais. Il a quand même un bon arsenal. Seth Rollins. Oui, clairement. Kevin Owens, Ah, évidemment. Kevin Owens, oui, Il est très je l'ai pas dit. divertissant, lui. Le... Très Alberto Del divertissant et Rio. très bon catch. Tu vas pas me dire après sa prestation à Money in the Bank qu'il a pas été Oui, divertissant. mais C'est c'est pas un l'homme. seul match. Ça, c'est bien une attitude de fan de foot, ça. C'est pas parce qu'il a fait Non. un bon match que c'est un bon gars. Non, non, non. Sauf que moi, bon, c'est vrai que ces temps-ci, ça a été avec la League of Nations. Mais Alberto Del Rio, en 2011 et tout, moi, j'étais totalement en kiff. Ouais, j'adorais. Et Money in the Bank, c'était l'homme du match. C'était l'homme de Money in the Oui, Bank. c'est un bon catcheur. C'est très clairement ça. Hein. Il a le catch dans le sang. Mais je dirais pas que c'est un bon divertisseur. Bon divertisseur. En parlant de divertissement, je pense qu'on peut saluer Roman Reigns. Il doit sûrement nous regarder parce qu'il n'a plus grand-chose à faire. Et comme tout catcheur savant, il sait parler français à la perfection. Ah bon? Bien sûr. Très bien. Catcheur divertissant, bah bon, on le voit pas beaucoup, mais Melvin. Ok, Neville. Oh, à part Ah, son il est catch, à part divertissant. son catch, y a rien d'autre, hein. Oui, Ouais. mais dans un ring, il est divertissant et j'aime bien. Voilà, quand on veut dire divertissant, c'est pas qu'une ring. C'est pas qu'une ring, c'est aussi savoir divertir comme John Cena peut le faire avec un micro ou même en dehors du ring. Et bah, The Miz! Oui, The Miz est divertissant.
Pour Et moi, bon catcheur. je me demande si Kevin Owens actuellement n'est vraiment pas l'homme le plus divertissant à la WWE, hein, parce que lui, il a le micro, il a l'attitude également, tout ce qu'il fait, notamment par rapport à Michael Cole, etc. Il est vraiment très drôle, dans un ring, il est excellent, il a vraiment tout, je trouve, Kevin Owens. Bah, y a Kevin Owens, Seth Rollins. Pour moi, c'est clairement deux qui arrivent très bien à manier le talent du catch et le divertissement. Il a dû avaler un clown, c'est pour ça qu'il a dû, il doit avoir un gros ventre. Bon, ensuite, Oh oula, là là ça là clash. là, comment tu veux enchaîner là-dessus? Enfin, j'enchaîne parce que moi, je suis toujours l'homme qui fait des blagues et enchaîné. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce débat qui... Non. Bon, en tout cas, on Non, verra ça si Thibaut écoute ce débat, et je pense que s'il l'écoute, il réagira très certainement. Eh ben, ça tombe bien parce que moi, j'ai quelque chose à rajouter. Voilà, c'était une petite feinte. Voilà, c'est mon petit côté footballeur à moi. Hashtag football. Alors, c'est vrai que moi je voulais rajouter quelque chose justement en parlant de divertissement. Moi je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui ont craché sur ce AJ Styles John Cena, un Melvin ou un Tamio, ou voilà. Je sais même plus si Tamio avait craché dessus. Voilà, j'ai accusé à tort. Mais voilà, je trouve que moi honnêtement, John Cena était bon, même surprenant, parce qu'on après une blessure, voilà, moi je m'attendais pas à un truc énorme, et Cena est arrivé à faire un truc plutôt pas mal, hein. Il s'est vraiment bien débrouillé, et AJ Styles aussi, même si AJ Styles a lâché clairement son arsenal, et voilà, je trouve que c'est vraiment une rivalité, même si on sait, hein, pas d'hypocrite entre nous, on sait que c'est Cena qui va gagner, qui va faire youpi youpi, et je pense pas qu'AJ Styles sera rabaissé, parce que les gens ont peur de ça justement, mais AJ Styles ne sera pas rabaissé. Parce que vous voyez Owens maintenant, hein, voilà. Donc on a voilà l'exemple phénoménal. Donc voilà, donc moi honnêtement je trouve que Cena a vraiment progressé et bah ça ferait pas de mal de le voir, bah, de continuer à le voir comme ça dans le mid-card et pas trop dans le main event, même s'il faudra s'y attendre très prochainement parce que les 16 titres ils vont forcément revenir à mon cher bon vieux John Cena. Bon alors du coup je pense plus que vous avez quelque chose à rajouter. Non, Non, on va prendre non, ça pour un non. Si? non. Non. Non, ok, vous avez fait une feinte. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager vos avis dans vos commentaires. Vous dites qui est pour vous le catcheur le plus divertissant. Vous parlez de John Cena, votre avis dessus. Voilà, on est toujours hâte à vous lire. Moi, j'adore vous lire. Voilà. En tout cas, on va passer à la prochaine rubrique qui est le top 5. À tout de suite. On dirait qu'il va marquer une courte page de publicité, toi, à chaque fois. On se retrouve juste après la C'est pub. vrai. À tout de suite. Ah bah ouais, à tout de suite après la pub. On va parler du top 5 et le top 5. Le top 5 est sur les meilleurs cash-in. Donc les Money in the Bank qui ont été cachés. Voilà, ça resterait caché. Non, ils n'ont pas été cachés, mais ils ont été, bah, voilà, ils ont été mis en œuvre. On va dire, voilà, très jolie phrase trouvée. Et on va, bah voilà, de vos top 5 dessus, j'ai hâte de les écouter. On va commencer par, bah voilà, par Melvin, tiens, pour ton top 5. Pour mon top 5 de cash-in, très très bien. Et bien évidemment, parce que je suis parfaitement cohérent et quelqu'un de très intelligent, à cinquième place, j'ai décidé de mettre le cash du Miz en 2010-2011 sur Randy Orton, parce que c'est The Miz et qu'il le mérite amplement. Et bien sûr, moi je trouve ça très étonnant que tu dises ça. C'est une blague. À toi, Axel. Et bien moi, j'en ai marre de passer après Melvin parce qu'il me vole toujours mes tops. Ah, il y a ça! Ça faisait longtemps. Vous savez ce qu'on va faire? Bah, on va mettre Axel avant Melvin. Bah, Comme ça, ça difficultera bien Axel pour le montage. Voilà, très bien. Vas-y, non. Axel. Oh non. Je rigole. Je rigole, c'est Non. bon. Allez, vas-y. Donc, à la cinquième place, j'ai également mis The Miz. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'à l'époque, ce cash était quand même très surprenant. Hein, parce que déjà, The Miz, on avait du mal à l'imaginer champion du monde, je trouve, à l'époque. Et voilà. Rien que pour la surprise, ce cash mérite d'être à la cinquième place. Et j'avais bien aimé. Et on retiendra notamment la tête de la jeune fille dans le public qui a marqué mon Oui. esprit. Et qui a eu un Tous les Sammy mises Awards esprits. d'ailleurs. Oui, Ah ouais? qui a été volé par The Miz. Et qui a eu une mise à débarquer disant Ouais. ouais, voilà. Et oui, c'est vrai qu'avec sa gueule de chien, on peut le dire, hein, elle avait vraiment une gueule de chien. Voilà, bon, c'est très méchant de ma part, C'est mais très je suis gratuit. mesquin. Enfin, non, je suis pas mesquin, mais je joue le mesquin.
Pour mon top 5, pour ma cinquième position, j'ai mis Randy Orton, le cash sur Daniel Bryan en 2013 lors de ce SummerSlam. Parce que moi j'ai bien aimé. Voilà. Bon, Thibaut va rager après sur cette rivalité. Je me suis déjà fait défoncer sur le débat. On va pas en parler dessus. Mais moi j'ai trouvé ce cash juste magnifique. Voilà, Triple H, il fait un pedigree. Voilà, moi ça m'a refait penser à l'évolution, puis à la rivalité après tout ça. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est comme en fait, tu vois quelque chose et puis t'as plein de trucs du passé qui reviennent. Et ben là, c'est pareil. Voilà, je sais plus comment on appelle ça. Vous ferez une petite recherche dans le dictionnaire ou dans les métaphores ou tout ça. C'est génial avec moi, vous pourrez travailler. Alors voilà, donc moi je l'ai mis en tout cas dans le top 5 parce que j'ai adoré. Voilà. Pour le top 4, vas-y, Melvin. À la quatrième place, j'ai mis le tout premier cash de l'histoire, Edge sur John Cena, pour deux raisons déjà, parce que forcément c'est la première, et surtout que c'était après le match de John Cena dans un Elimination Chamber match à New Year's Revolution, où il avait fait 31 minutes de match, vu qu'il était entré dans les premiers, et du coup il était très très mal, et c'était vraiment un coup de poker de voir ça. J'ai pas vécu ça en vrai, bien évidemment, parce que je sais même pas si bien sûr que j'étais né, qu'est-ce que je raconte. Mais c'est le coup de poker était tellement incroyable, c'était tellement bien trouvé, et ça a vraiment permis à Edge de recevoir le titre d'Ultimate Opportunist. Et ça, c'est une belle chose, parce que c'est là que la carrière de Edge s'est véritablement construite. Et comme quoi, ça montre à quel point un cash peut construire la carrière d'un homme. Alors, d'après mes talents de médium, je serais prêt à parier qu'Axel a mis la même chose. Non, mais ça a failli. Mais non, j'ai mis à la Ah. quatrième place le cash de Dolph Ziggler parce que voilà, j'étais évidemment obligé de le mettre celui-ci. Première raison, c'est qu'il est au lendemain de WrestleMania, voilà, avec la foule qui est extraordinaire. Deuxième raison, parce que c'est Dolph Ziggler, voilà, j'ai pas besoin de me justifier, je pense. Et puis non, et troisième raison, bah voilà, j'ai trouvé vraiment ce cash très surprenant une fois de plus. Et voilà, c'est vraiment ça le mieux dans les cash, c'est que ça doit être surprenant. C'est l'objectif normalement de ce genre de concept, c'est qu'on ne doit pas s'attendre à quand va être encaissée la mallette, pas comme l'a fait Dean Ambrose cette année par exemple, ou encore quand Mr. Kennedy ou John Cena avait dit j'encaisserai ma mallette tel jour, voilà, ça c'est, je trouve ça nul. Faut que ça arrive à n'importe quel moment. Et là, c'était le bon moment sur Alberto Del Rio. Surtout que je suis pas du tout un très grand fan d'Alberto Del Rio. Ça m'avait fait plaisir ce jour-là. Alors, en parlant du loup, alors moi, vous allez me gueuler dessus, je vous vois dans les commentaires, parce que moi, mon top 5, je l'ai mis dans un truc assez récent, parce que voilà, moi, voilà, tout ce qui est ancien, j'ai pas vécu, et puis je les ai pas trop vus, les catchs. Bon, je suis les catchs, certes, mais bon, il y a des catchs où j'ai pas vraiment bien vu, comme celui de CM Punk en 2008 ou tout ça. Mais moi, j'ai choisi Ambrose contre Owens en 2016. Alors, pas parce que du coup, on s'y attendait pas, moi, je m'y attendais très bien, surtout quand il a gagné Money in the Bank. Qui nous disait qu'il n'allait pas intervenir? Non, ça, on s'y attendait. Mais moi, je vais juste mettre ça parce que c'est un peu cette réunion du Shield. Et puis Ambrose, il devient champion. C'est vraiment un soulagement pour lui et puis pour beaucoup de ses fans parce que voilà, on le voyait pas être à ce stade-là. Et parce que tout le monde pronostiquait Owens, même si beaucoup pronostiquaient Ambrose. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'étais vraiment très content de voir Ambrose gagner ce titre. J'étais euphorique. Voilà. Et j'ai adoré. Donc voilà, ce sera mon top 4. Pour le top 3, Melvin, je t'en prie. Et là, attention, on part dans le personnel, le cash de CM Punk sur Jeff Hardy Extreme Rules 2009. Cash très très choquant, très très choquant à voir, c'était vraiment une très très grosse surprise. Ce heel turn au passage de du coup CM Punk, qui pour son deuxième cash cette fois-ci s'attaque aux gentils, mais qui s'attaque d'une manière très très opportuniste. Hein. Il avait dit très clairement que ce soit Edge ou Jeff, il aurait caché à ce moment-là. Du coup, cash très rapide, hein, après seulement un mois de Mr. Money in the Bank. C'était une véritable surprise, surtout pour ceux qui voulaient voir Jeff Hardy enfin champion, qui se retrouve finalement face à qui se fait ouvrir dans une rivalité avec Punk, qui fera quand même une très très belle rivalité. C'était un très très gros cash, une très grosse surprise, parce que personne ne s'attendait vraiment à ça. Du coup, ouais, très très bon cash de sa part, et pour moi c'est numéro 3. Merci, à toi Axel. Bah moi à la troisième place j'ai mis le top 4 de Melvin, c'est le cash de Edge en 2006 sur John Cena.
Comme l'a dit Melvin, c'est vraiment un événement qui a marqué, qui a lancé la carrière de Edge et notamment ce côté opportuniste. C'était la première fois que cette mallette était encaissée de la sorte, la première fois qu'un catcheur profite que son adversaire, que le champion du monde soit affaibli, soit à terre en sang pour demander son match de championnat. Donc c'est très surprenant, je ne l'ai pas vécu en live à l'époque bien sûr. Mais je l'ai revu depuis et voilà, le contexte fait que ça peut être que énorme. C'était le premier titre mondial de Edge également. Donc évidemment événement marquant une fois de plus. Et voilà, notamment aussi le fait que le match précédent, c'est cet encaissement, soit un Elimination Chamber match énorme aussi. Je pense que les fans à l'époque ne s'y attendaient vraiment pas. Et je pense qu'à l'époque aussi, on n'imaginait pas que la mallette puisse être encaissée de la sorte. Que on savait que celui qui détenait la mallette pouvait avoir un match de championnat n'importe où, n'importe quand. Mais je pense qu'on n'imaginait pas le fait que le Mister Money in the Bank puisse arriver en fin de match alors que le champion est KO au centre du ring en sang pour encaisser sa mallette. C'était la première fois que ça arrivait. Et je pense que ça devait être très surprenant à l'époque. D'ailleurs, Edge qui a caché sur deux personnes en sang. Oui, le Taker aussi en 2007. Ouais, qui était également ensanglanté à ce moment-là. Ensanglanté, très bien. Moi j'ai mis, alors là les gens ils vont vraiment avoir peur parce que c'est, alors c'était dans mon inconscient aussi fidèle que j'ai mis ça. J'ai mis Sheamus contre Reigns en 2015. Attention, Oh là attention, là, ah parce non, que tu peux pas. si je peux, parce que ça a été le soulagement. Honnêtement, c'est plus... Oh, le soulagement. Oh, tu vois Reigns gagner avec le titre. Avec les... En plus, on voit bien les confettis et tout. Donc, à partir de là, on a commencé à se douter. Et puis, donc là, on était. Et puis, il y a Sheamus qui arrive derrière. Tu fais. Voilà, c'était comme ça. Et je peux pas. Mais je pouvais. J'étais obligé de le mettre dans ce top 5 parce que c'était clairement. C'était pas un cash magnifique, mais c'était un cash très rassurant. Et. Voilà quoi, ça vraiment, on sort d'une dépression qui n'a pas encore commencé quoi. Je t'en prie, Melvin, pour ton top 2. Top 2, alors là c'est la question respect, c'est le cash de Rob Van Damme face à John Cena pour One Night Stand, le show CW, qui, RVD du coup, qui propose le premier cash pour un véritable match. Je crois que c'est le premier des trois, avec celui de John Cena contre CM Punk et de Damien Sandow contre John Cena, je crois. Je suis pas sûr que celui-là se passe comme ça. Mais du coup, c'est le premier. Et quel match, quelle affiche au final se cache. Et l'ambiance, tout, c'est l'un des plus beaux caches finalement, parce qu'on a le droit à un véritable match, à un véritable affrontement, un suspense. C'est là où la surprise est beaucoup moins là, mais où l'image était tellement belle et qu'au final, le résultat reste quand même assez surprenant. C'est vraiment incroyable. Axel. Pour mon top 2, j'ai mis le cash de CM Punk en 2008 sur Edge, pour notamment le contexte qui faisait que tous les titres étaient draftés à SmackDown, et on pensait que voilà, il n'y aurait plus de titres mondiaux à Raw, etc. Edge était venu célébrer, se vanter, etc. avec sa ceinture mondiale, comme quoi voilà, il n'y aurait plus de titres mondiaux à Raw parce que Batista avait perdu son match à Night of Champions la nuit précédente. Voilà, c'était tout un contexte qui faisait que un roster était dans l'inquiétude parce qu'au final il n'y avait plus de titres mondiaux. Beaucoup di disaient que voilà, c'était prévisible ce cash, et moi je suis pas de cet avis-là, bien que je ne l'ai pas vécu encore une fois en live, en direct. Je trouve que ce cash de CM Punk qui permet de garder un titre mondial à Raw est surprenant. Surtout le fait que Batista défonce Edge avant et que voilà, Edge soit en mauvaise condition pour ce match de championnat, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé justement en 2006 sur le cash de John Cena. Donc ça se retourne un petit peu sur Edge, cette situation. Donc c'était un beau clin d'œil et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce cash. Et aussi le premier titre mondial de CM Punk, qui moi à l'époque en tout cas, CM Punk c'était vraiment pas quelqu'un, enfin c'était vraiment pas un lutteur que je voyais champion du monde dans un avenir proche. Voilà, pour moi c'était un mid-carder que j'avais vraiment du mal à voir dans le main event. Bien sûr, aujourd'hui en 2016, on le voit beaucoup mieux, surtout avec la carrière qu'il a eue.
Mais voilà, je trouve qu'à cette époque-là, on le voyait pas forcément dans le haut de la carte. Ah bah non, en 2016, on ne le voit plus à la WWE. Non, mais oui, non, mais t'as Bref. compris. Je veux dire, en Oui, j'ai compris. 2016, on se dit pas, oh bah, un CM Punk ne peut pas être champion du monde. Voilà, il a eu Ah. une très belle carrière depuis, quoi. Depuis Et 2008. bah d'ailleurs, en parlant du loup, moi j'ai choisi le même que toi, mais un an après, en 2009. Voilà, pas comme il a gagné deux fois. À Extreme Rules contre Edge, où j'étais. Contre Edge? Ou contre... Non, contre Jeff Hardy. Oh, quelle erreur! Non, 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 mais c'était, tu m'as embrouillé avec ton Edge, du coup, voilà. Je te remets la faute dessus. Donc, ouais, moi j'ai adoré, c'était vraiment kiffant, surprenant. Et voilà, il a été moins, son règne a été beaucoup mieux en tout cas. Et c'est pour ça que Belvin a tout dit, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en top 2. Pour le top 1, le 1 des 1, quoi, le meilleur, soi-disant, on va écouter Melvin. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a tous le même. Parce Sûrement. que vu que Louis a pris dans les récents et que je sais quelle superstar aime beaucoup Axel, je David pense Sendo? qu'en effet. Oui, bien sûr. Quelle ironie. Merci Axel. On peut quand même applaudir. On l'applaudit. Voilà, je suis mon coup Arrêtez, c'est d'applaudir parce gênant, qu'Axel c'est gênant. raconte Oh vraiment des là blagues très intéressantes. On va même le surnommer l'humoriste de David Fan France. C'est nouveau. Voilà. Moi, je vais pas Vas-y, prendre ce Melvin. mal de l'applaudir. Eh bien, j'ai choisi en première place le cash de Seth Rollins sur Oh! Roman Reigns. Quelle surprise, quelle incroyable, inattendue chose. Pourquoi? Il y a plein de raisons, et je vais sûrement vous couper un peu la voix, désolé. Mais la première, utiliser la mallette en plein milieu de match. C'était inattendu, ce n'était pas encore fait. Seth Rollins révolutionne, réclame, rebuild. C'était incroyable. C'est une très très belle surprise et premier cash à WrestleMania. Ce cash inspire tellement de surprises et de records et de nouveautés. C'était une très très bonne utilisation de la mallette. Le meilleur moment, la meilleure utilisation. Après un très gros match entre Reigns et Lesnar, c'était très 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 bien foutu. C'est vrai, c'est vrai. Et en parlant de ça, moi je pense que d'après mon talent de médium, ce serait le même pour Axel, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ce top 1? Trois mots. Rollins, surprise, WrestleMania. Fini. Bravo, merci. Tu nous as vraiment bien abrégé. Axel l'abrégeur, très bien. Moi, en tout cas, moi j'ai mis pareil, voilà. c'était très attente parce que c'est clairement, sur le coup, j'étais, je sais pas comment être neutre, parce que j'étais neutre et à la fois j'étais content. Mais j'avais peur de cette utilisation et comment Rollins allait faire, parce que Rollins, je ne le voyais pas. Voilà, et je me suis trompé et j'ai là maintenant où je me dis que voilà, il a quand même eu un très beau règne, même si certains me contrediront, il a eu un très beau règne et on voit quand même d'où ça a démarré. C'est déjà qu'il a un gros palmarès rien qu'avec ça. Un cash à WrestleMania, au main event de WrestleMania, suivi d'un règne assez long et d'un règne très bien utilisé, même si certains sont déçus. Et c'est très bien, voilà. Et j'ai préféré, honnêtement, petit rappel, qui ne mettent pas Rollins champion à Money in the Bank 2016, parce que voilà, j'aimerais qu'ils gardent pas tout le temps, ils vont le remettre champion, et j'aimerais, certes, j'espère qu'ils vont le remettre champion, mais voilà, il faut quand même garder cet instant comme quoi il est devenu champion depuis Money in the Bank, qu'il a jamais perdu ce titre au final, quoi, qu'il a jamais perdu, qu'il a jamais été tapé 1, 2, 3, mais voilà, quoi, ça reste quand même un règne, voilà, où ça a un début juste extraordinaire, c'est pour ça, et voilà, WrestleMania et tout ça, tout ce qu'on dit, voilà, c'est clairement beautiful, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose, un bonus, ou quelque chose comme ça à rajouter dessus, non? Non, mais toi, t'en aurais bien un, non? Non, parce que Tamio nous avait fait un bonus un jour, je vous en parle pas, c'était génial, mais voilà, c'est vrai que c'était inattendu, comme Rollins son cash à Money in the Bank, comme le cash de Rollins à WrestleMania, c'était inattendu, et c'était très intéressant, donc d'ailleurs, il faudra peut-être que je ferai un bonus la prochaine fois, ça peut être pas mal. D'ailleurs, la prochaine fois, il y aura un top 5 où on a besoin du boulot, hein, mais ce top 5, je pense qu'il va vous plaire, ça va être génial. Axel, je pense pas qu'Axel sait ce que c'est, mais Melvin sait ce que c'est. Parce que c'était lui qui l'avait proposé. On vous garde le mystère. Il faudra nous suivre pour savoir. Très bien. Voilà, je vous ai fait une petite pub très vite. On va passer pour la rubrique d'après.
qui sont les questions des fans. Voilà. On vous a sélectionné deux questions de vous, très différentes, et il y en a une qui me fait très rire, mais qui est très, très pertinente aussi. On se retrouve tout de suite après la pub. Voilà, on se retrouve. Voilà, c'était. Voilà, on se retrouve pour du coup la nouvelle rubrique, pardon, qui était du coup, qui est plutôt la question des fans. Et on va commencer directement par une question qui nous a été posée par Marc. Marc nous a dit quels sont pour vous les catcheurs NXT qui vont venir dans le roster principal? Très bonne question, même si on en a un tout petit peu discuté, ça reste une très bonne question. Et on va donner la parole à Axel. Alors oui, c'est une très bonne question. Je trouve que c'est assez difficile d'y répondre, par contre, enfin, de donner des noms précis. Je vais dire Finn Balor parce que ça reste une évidence, on l'attend déjà depuis plusieurs mois. Ça m'étonnerait qu'on l'attende encore beaucoup, plus d'un an en tout cas. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on l'aura. Austin Harris peut-être aussi prochainement. On sait en plus qu'on a la Braun Extension qui arrive, donc il va falloir qu'il y ait pas mal de superstars d'NXT qui viennent dans le roster principal, parce que malgré que le roster principal actuellement soit très complet, très beau, ils vont quand même en manquer, parce qu'il faut quand même remplir deux shows, il y aura deux pay-per-view par mois, c'était pas officiel encore une fois, mais bon, d'après les rumeurs, deux pay-per-view par mois, ça va être compliqué de remplir la carte, il faut des superstars de l'NXT, c'est une certitude. Donc, je vais essayer de donner quelques noms comme ça. Je dirais Finn Balor, Austin Harris, Ty Dillinger, Nakamura, je pense pas encore. Samoa Joe également, parce que je pense qu'il ne va pas rester toute l'année champion. Il va falloir à un moment donné qu'il rende son titre et qu'il passe au roster principal. Surtout avec la carrière qu'il a, je pense qu'il n'a pas besoin de rester 107 ans à la NXT. Voilà, ce sont les principaux noms que je donnerai pour cette année. Alors que j'ai très plus de bien, secondes. Merci. Ah non. Non, 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 non. Et voilà, en tout cas, merci. Melvin, ton avis? La même chose. C'est difficile de dire plus, au final. C'est ouais, après, qu'est-ce qu'il y aura d'autres noms? Vraiment difficile, quoi. Je suis pas trop en soi la NXT, donc je sais pas s'il y a plus à faire. Peut-être dans les tag teams, notamment vers le Rival. Mais après, on va dire, ils sont champions, j'en serai avant pas. Oui, voilà, c'est qu'ils sont champions. Mais ça ne m'étonnera pas qu'ils perdent après leur titre prochainement, qui sait. Ça sera avant. Alors, il y a une rumeur, attention, une rumeur qui disait comme quoi Finn Balor, Nia Jax, Samoa Joe, il me semble, les American. Alpha, c'est ça? Oui, c'est ça, American Alpha. Et je crois que c'est tout. Non, Bobby. Oula. Austin Harris, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Soi-disant, allait justement aller cette année, aller à la roster principal. Donc, il y en a. Voilà, Austin Harris, je ne le vois pas y aller directement. Je pense qu'il va rester un petit peu. Finn Balor, je pense qu'il va arriver. Samoa Joe, idem. Nia Jax, pourquoi pas? Écoutez, non, c'est pense la pas, fête, moi. c'est génial. Je pense que Nia Jax, ça va faire un petit run de championne à l'NXT. Hein. J'ai bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle dans un ring. Je pense qu'ils vont lui offrir un petit titre et que la rivalité avec Asuka va continuer. Et justement, je vois plus Asuka rejoindre le roster principal. J'aurais plus dit Bayley. Bayley aussi, c'est vrai, on se disait, Bayley va revenir après WrestleMania, on attend toujours Bayley, les clés sont sous le paillasson, paillasson, voilà. Elle a fait son retour à l'NXT, mais pas en ouais, roster c'est déjà bien. Principal. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette question de Marc? Ça ira. Ça ira, bon, bref, et excusez-moi. Juste pour ajouter, ouais, moi aussi les American Alpha aussi, je pense, je les vois bien débuter cette année parce que la division par équipe aussi a besoin d'aide, je pense. Ouais, bah quoi qu'elle s'ouvre pas, mais bon, c'est vrai que s'il y a une Oh, division des shows et tout ça, quand même. quoi. Bon, Il va y avoir deux rosters après, hein. c'est Déjà vrai. que. Bah, il y a The Ascension, il y a. Il y a pas, il y aura Golden pas encore d'autres qui Truth, sont. Breezango, Non mais t'es très drôle, hein. T'es très drôle, Louis. Non mais honnêtement, Non mais Breezango peut après faire on critique mes blagues dans cette émission, mais là franchement. Non mais Breezango, par contre, Breezango peut faire une bonne équipe.
Et V Ascension était crédible en 2015, enfin début Ah, 2015. mais ils le sont Ils toujours. étaient C'est crédibles. crédible la On Nexus rappelle et quand même tout. que Victor Main Event, hein. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Félicitations à lui. Mais voilà quoi. Ils étaient très crédibles. Ils avaient battu même en Royal Rumble 2015, je sais même plus. Ouais, mais ils avaient battu deux légendes. Je sais même plus qui c'est. Enfin, si, je vois comme ça, mais alors parlons. Ouais, il y a tellement de noms de légendes. Enfin, vous nous direz dans les commentaires si vous le voulez. Les Vous New n'êtes pas Age obligé. Heroes. Chris Benoit. Des quoi? Tu parles de qui? En 2015, au Rumble 2015, où The Ascension a gagné une équipe Ah, de légende. les New Age Outlaws. Voilà. Oh, putain, je sais même pas quand j'ai fait pour vivre Billy ce nom. Gunn et Road Dogg. Voilà. Voilà, mais voilà Il quoi. est trop tard. Ils ont été très crédibles. Mais. Ok, d'accord, il y a mon imprimante qui s'est possédée. Bon, on va passer à la suite directement. Assez de parler de notre vie, ça va être génial. On passe à la question suivante. Qui est une question de race, je sais pas comment ça s'écrit. Enfin, ça s'écrit RAIS, mais je sais pas surtout comment ça se lit. Voilà, bref. Voilà. Tu aurais dû nous mettre un petit côté hein, en langage phonétique, on aurait compris. Mais en tout cas, voilà, je tiens à vous dire, sa question est très, très marrante. Mais écoutez, pourquoi pas en parler. Est-ce que la TNA est le pôle emploi de la WWE? Axel, tu vas débuter cette question, tiens. Bah déjà, bravo pour cette question parce que oui, elle est très rigolote. Oui, je pense que la WWE se fait plaisir dans le roster de la TNA parce que la TNA n'a clairement plus les moyens, je pense, de proposer de très très gros contrats à ses superstars. Elle doit limiter, je pense, les top stars, en tout cas les superstars qui demandent beaucoup d'argent. Elle peut pas toutes les garder et dès qu'elle ne peut pas les garder, bah, je pense que la WWE les attend à la porte de sortie de la TNA et se dit, oh bah tiens, toi je te verrai bien à la NXT et bientôt dans le roster principal. Viens voir, je vais te proposer un bon chèque. Et voilà, donc je pense que c'est un peu ça qui se passe. Après, il faut avouer que la TNA fait pareil, hein. Quand elle était un petit peu en meilleure forme, on pense notamment à Drew McIntyre, Jeff Hardy, Matt Hardy, etc. La TNA sait aussi attendre que les top stars de la WWE quittent cette fédération pour rejoindre la TNA. Ça marche dans les deux sens, mais c'est vrai que dans les temps qui courent, la TNA n'est pas au meilleur de sa forme. Elle perd de très grosses superstars. Et quelques jours après, qu'est-ce qu'on voit sur les sites de catch? Telle ancienne superstar de la TNA a rejoint la WWE. Donc oui, je pense qu'on peut dire que la TNA est le pôle emploi de la WWE actuellement. Ce qui est cool, je trouve, moi, personnellement. Ah non, moi je dirais pas, j'irais pas Pôle emploi, c'est justement un peu un échange au final entre les deux. Ils aiment bien s'échanger, c'est du troc. En quelque sorte, ils troquent des catcheurs au lieu de troquer des patates. Et voilà, Non, je trouve ça marrant. celle-là, franchement, t'aurais dû la garder pour toi. Du troc patate, c'est connu, s'il y a aucune blague dedans. Bon, bref, Melvin. Oui, donc après avoir parlé de patates, Va t'enchaîner là-dessus, toi. oui. Bah, pour revenir sur une certaine patate, ouais, voilà, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Oui, bah, en soi, comme disait Axel, hein, c'est que de là, déjà dans le début des années 2010, il y a quand même déjà eu Jeff Hardy qui est parti à la TNA, puis ça s'est enchaîné, il y avait eu Hulk Hogan, il y avait Kurt Angle, il y avait énormément d'anciennes superstars, d'anciennes légendes, puis après les superstars, il y a Matt Hardy qui a suivi, puis voilà, il y a Drew McIntyre, maintenant Drew Galloway, il y a Bobby Lashley, enfin. Il y a même Derek Bateman qui était dans la saison 4 de NXT, la très bonne période d'NXT. Enfin, quand on voit en plus les main events de TNA, notamment celui du prochain TNA, quand tu vois que c'est Derek Bateman contre Bobby Lashley contre Drew McIntyre, bah, ça fait un peu rigoler. Mais au final, bah, maintenant la WWE se venge un peu en prenant un peu leur superstar habituel, en plus, parce qu'il y a AJ Styles et Samoa Joe et Austin Aries qui ont fait beaucoup d'années à la TNA. Donc oui, c'est pas un Pôle emploi parce que c'est pas le bon terme, parce que Pôle emploi c'est où tu vas quand tu as plus de trucs. Donc la Merci TNA, Melvin. oui, mais voilà, mais j'explique mieux parce que Pôle emploi TNA, Pôle emploi WWE, c'était à l'époque des Jeff Hardy, Hulk Hogan, tout ça. Là c'est différent, bah, c'est limite l'inverse. Au final, c'est la WWE qui est le Pôle emploi de la TNA. Parce que la TNA n'a plus d'argent pour leur proposer un contrat, du coup ils les font se barrer, et du coup bah, la WWE ils les ramasse. Ouais, mais C'est vrai. c'est l'image qui est drôle. Oui, mais après, c'est sûr que c'est drôle. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai déjà dit mon avis. C'est vrai que c'est un peu l'échange entre les deux.
Du troc, voilà. C'est sympa. Après Pôle emploi, c'est marrant. Et moi, je voudrais bien dire qu'en fait, ce sont tous les deux Pôle emploi au final. Bon, même s'il y en a une qui est plus en crise que d'autres. Mais bon, voilà. Bah bon, en tout cas, c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ceci? Ah non, ça bon. Merci. Parce que là, j'ai senti le vent venir et le souvenir sur moi. Axel, tu es là, j'espère. Bien sûr, mais je voulais te mettre un Bien rein. sûr. Très bien, merci Axel. Voilà, c'est tout en amitié dans cette chaîne. Voilà, On l'amitié, s'aime tous, hein, c'est bien sûr. vraiment. Ouais, on Bien s'aime sûr, tous. l'amour, Ça la se voit, vie. je pense. Ah, le fou, Ouais. Zidane. Merci Melvin. Voilà, c'était C'était Melvin une qui. référence. C'était une Voilà. référence pour les vrais fans. Melvin, le référencier de la chaîne d'ailleurs. Il va bientôt ouvrir un référendum. Ça va être génial. Ça va être Oh là génial. là 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 là. Voilà, aujourd'hui, bah alors c'est 27e, ça va être le podcast de l'humour. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que WrestleMania était un pay-per-view de l'humour. Voilà. Mais C'est ça voilà, qu'il je dit sais il y a pas. 3 mois. Oui, bon. Bah alors on va passer à la chronique de quelqu'un. Je sais pas vraiment qui c'est, mais apparemment, il est plutôt bien calé au niveau des chroniques et qui est tout autre que moi-même. Ah, c'est Voilà, pas qui c'était c'est, mon moi. petit côté vantard de ma part. Ah bah non, parce que Melvin n'a pas fait sa chronique. Merci Melvin. Si, elle est en pleine S'il l'a fait. préparation, mais tu verras que c'était du gros boulot et tu en seras très fier. D'accord, et bah j'ai hâte de voir ta chronique, ça va être génial. Mais pour l'instant, ça va être la mienne qui est le top 7 des morales. Oh, Excusez-moi, c'est le le top gros stop, hein. Ferme ta bouche, c'est ma chronique cette semaine. Retenez ça. 7. Ouais. Non, j'ai dit, j'aurais hâte de voir ta chronique la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, Mais c'est la mienne. mais c'est la mienne, cette chronique. Le top 7 des morales, je me retrouve à la WWE. Voilà, bon. Certes, je vais me présenter moi-même, mais on se retrouve après la pause ou après ce que vous voulez. Allez vous chercher des chips, parce que je pense que les réserves ont dû être vidées. Allez, à tout de suite. Bah merci Melvin, le départ surgissant cette fois-ci. On surgit de rien, j'espère que vous avez eu le temps, parce que c'était très rapide, voilà, un dixième de seconde. Et on va partir du coup pour Macron. Donc c'est vrai que je vais devoir la lire dans un côté un peu plus sérieux parce que voilà, j'étais un peu l'homme qui blague pendant ce podcast. Et c'est très dur, mais bon, on va mettre mon petit côté lunatique en route. Alors donc je vais vous présenter le top 7 des morales que l'on retrouve à la WWE. Donc, morale, hein, ça peut vous dire ah morale c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Je vais tout vous expliquer en clair et en profondeur ce que c'est une morale. Mais. Ça, on va surtout montrer en quoi une morale, et on va l'illustrer avec la WWE. Donc, je tiens à vous dire qu'une morale, c'est une leçon ou quelque chose comme ça, mais ça ressemble beaucoup à des proverbes aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent, des citations, pardon, et c'est pour ça qu'on dit souvent que des morales, ça ressemble à des citations. Voilà, c'était mon petit cours de français. Hashtag français, hashtag philosophie. Alors, en numéro 7, j'ai mis, ce n'est pas l'habit qui porte qu'on reconnaît l'homme sage, mais à ses œuvres. Donc, pour une petite définition claire et précise de ceci, ça veut dire que l'apparence ne justifie pas la pensée. À la WWE, nous sommes presque tous à vouloir juger une personne sans savoir ce qu'elle vaut. Nous pouvons tous, pardon, avoir une image sur un catcheur, rien qu'à ses débuts, le cas de Daniel Bryan ou encore d'Alberto Del Rio, rien qu'avec ce qu'il dégage. Mais parfois, ceci peut nous montrer qu'il faut bien exprimer une parole, car parfois l'apparence ne veut rien dire et ne peut rien dire. Le cas de Rollins à Extreme Rules 2016 est un très bon exemple parce qu'il Il a voulu montrer et il a dû nous faire montrer qu'il fallait attendre le Raw du lendemain pour savoir de quel côté était Rollins, s'il était méchant ou gentil, s'il était côté de la foule ou pas. Donc c'est une belle morale que nous transmet la WWE dans cet exemple-ci. Numéro 6. Qui sème la tempête récolte le vent. Bon, l'explication serait que quand quelqu'un serait à l'origine d'une querelle ou quelque chose du genre, il viendrait à payer les conséquences. La WWE est un très bon exemple de cette morale. En effet, le prénom, surtout Rollins, encore, lui le traître du Shield, était à l'origine du dispute qui continue encore en 2016. Le cas montre que Rollins paye les conséquences et au final il s'en sort plutôt bien pour l'instant. La WWE nous transmet une valeur avec cet exemple. Nous pouvons citer aussi le cas de Matt Hardy qui au final se retrouve à perdre dans le dernier match contre son frère alors qu'il était à l'origine de cette rivalité et de cette querelle, comme on dit. Dans ce type de rivalité, la WWE en numéro 5, j'ai choisi
Nul n'est tenu de s'accuser soi-même. Donc ça, c'est une morale comme celle-ci, comme celle aussi qui ressemble à celle de la numéro 4, mais qui est vraiment une évidence qu'on allait expliquer. Donc ça veut dire vraiment qu'il est presque impossible de s'accuser soi-même, et qui c'est le cas pour beaucoup de personnes. Voilà. Et surtout à la douleur. C'est souvent la faute des autres et jamais la sienne. Personne ne voudrait assumer qu'il a tort ou quelque chose du genre. Par un exemple tout bête et qui n'a pas fait beaucoup parler, mais nous pouvons prendre l'exemple de Kane en 2010, qui accusait tout le monde d'avoir agressé son frère et sans s'accuser lui-même. Bien sûr, c'était lui. Et la logique dirait que, bien sûr, il avait agressé son frère. Et ce qui est vrai aussi. Ceci nous montre aussi que beaucoup de monde accuse les autres sans se remettre en question. Ce n'est pas anodin et c'est pas la première fois qu'on entend un catcheur dire les raisons pourquoi il a démarré une rivalité, car il a toujours raison. Et c'est un personnage et ce principe dénoncerait en gros cette morale. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris la dernière phrase, mais c'est pas grave, vous avez compris le sens, j'espère. En numéro 4, j'ai choisi, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pas entendre. On va faire la liaison, c'est génial. Quelque chose qui démontre très bien certaines personnes du monde actuel et certaines personnes de la WWE. Et à la fois, qui ressemble aussi encore à la morale précédente. À la WWE, ceci est représenté à maintes reprises. La WWE, un catcheur qui doit assumer, ne doit jamais admettre qu'il a tort. Le cas de The Authority est un bon exemple, car ils ont toujours une raison pour pouvoir enlever le titre à ce fameux Daniel Bryan, et ils ne veulent savoir autre chose que son avis. Le numéro 3. Donc là, on rentre dans le top 3. Les loups ne se mangent pas entre eux. La WWE nous montre que cette morale peut être à la fois vraie et surtout à la fois fausse. Donc la WWE nous montre une forme d'entité, une forme d'antithèse en gros, une antithèse qui veut dire le contraire au final. Pour un résumé de cette morale, ceci veut dire que les crapules, donc les méchants, les heels, tout ce que vous voulez, sont toujours prêts à s'accorder quand il s'agit d'un mauvais coup, mais pour beaucoup de cas, pardon, ceci serait vrai, car la Nexus montre les deux cas. Voilà. La Nexus montre qu'ils s'accordent pour montrer, la Nexus, pardon, montre qu'ils s'accordent pour monter des mauvais coups contre la WWE, et ceci a été fait, et ceci a été aussi échoué, et ils se font la guerre entre eux avec The Corps. Et oui, certains se rappellent encore de cette équipe qui a été totalement floppée. Nous pouvons prendre d'autres exemples comme The Shield, pardon, qui pourrait faire de mauvais coups étant soudés et une fois la chose faite et dominée, ils se font la guerre entre eux en 2016. Toujours, voilà, c'est l'actualité. On remet l'histoire à l'actualité. En numéro 2, les morveux veulent toujours moucher les autres. Bon, certes, c'est quelque chose d'assez marrant comme ça, mais pour une petite description de cette morale, ceci veut dire que certaines personnes sont peu recommandables et que certaines d'entre eux seraient prêtes à donner des leçons de morale aux autres. Le cas d'Alberto Del Rio est un bon exemple. Il donnait des leçons de morale à beaucoup de monde sans lui-même se remettre en question. Mais les leçons de morale ne viennent pas toujours à de mauvaises personnes, comme le New Day, qui aime rigoler sur les autres. Mais nous pouvons prendre en compte aussi que ceci est normal dans la vie, comme dans la douleur. Il y aura toujours des gens qui t'en donneront, et soit ils auront raison, soit ils auront tort, on dira qu'est-ce qu'il faut à se foutre de mes avis. Et le numéro 1, partir le matin de bonne heure et de décider le soir. En effet, ceci veut dire beaucoup de choses. Ceci déjà veut dire principalement qu'il faut avoir des projets pour les réussir. Et à la WWE, il y a des cas, il y a beaucoup de cas comme celui-ci. Le cas de Rollins, encore une fois, est encore un parfait exemple. Rollins est très bien préparé son avenir, car lors de la trahison du Shield, il devient Mr. Money in the Bank en 2014 et devient champion à WrestleMania 31. On en parlait encore tout à l'heure. Ceci nous montre qu'il faut préparer son avenir si on veut avoir de l'espérance et de la possibilité de le réussir. Le cas de beaucoup de catcheurs, très bien, beaucoup de catcheurs, comme aussi Daniel Bryan, pour le titre mondial en 2013 et qui l'obtient en 2014. Il faut travailler pour réussir. Voilà ce qu'il nous dit la douleur derrière toutes ces morales. Mais en conclusion, la douleur nous montre tout le monde de maintenant et nous montre comment il faut agir, comment il faut se démener dans le monde actuel et surtout à quel genre de personne et à quoi s'attendre. Le monde n'est pas parfait, on en est loin. Mais ce qui fait le monde est l'homme, et l'homme n'est pas parfait, à ce que je sache. La douleur est une illustration à tout ceci, une illustration indirecte, certes, mais parfois bien claire. Et pour terminer ça, j'aurai une citation de moi-même pour terminer cette chronique. L'homme évolue ou régresse, ses buts changent, ses envies varient. Il aura toujours les mêmes intentions, aura les mêmes espérances, une vraie aventure, quoi. Mais au final et au fond, il ne changera pas, il restera le même depuis sa naissance. Fin. Eh ben bravo, superbe. Comme d'habitude, hein, c'est un classique. Ouais, et je pense que d'ailleurs, j'ouvrirai un DVD dessus, voilà, où on sera les chroniques de Louis. Et on rajoutera bien sûr les chroniques de Melvin aussi dessus. Et on les mettra en première page parce que ces chroniques sont très intéressantes. Et on les mettra dans les premiers chapitres parce que c'est les meilleurs, le premier chapitre. On sait tous comment ça finit, Ouais, c'est vrai! Ah non, mais un DVD sur les chroniques de Louis avec en particulier en priorité les chroniques de Melvin. Bah, les chroniques de Damien Fan France, et on mettra la chronique de Guillaume.
En bonus. Bonus. Voilà, en bonus. En supplément. Voilà, bon, ouais, écoutez, ça m'a pas donné énormément de boulot. Voilà, je suis un mec comme ça. Je suis mon petit côté hyper sociable. Bref, voilà, j'ai fini de me vanter. N'hésitez pas à partager vos avis. Mais voilà, Melvin, on a vraiment hâte de t'écouter pour la ta prochaine chronique, parce que ce sera la semaine prochaine. Et hey, je te mets un compteur du coup là. Tu seras obligé de la terminer pour le prochain podcast. Elle sera terminée, elle sera prête, elle sera belle, elle sera parfaite. Eh ben, on aura vraiment hâte de t'entendre, Melvin, parce que moi, je suis curieux de voir. Et d'ailleurs, tu nous dis pas, hein, mais d'ailleurs, ça sera à vous de deviner aussi dans les commentaires ce que vous pensez et quel sera le thème de statistiques de Melvin pour la prochaine chronique. Voilà, ça vous donnera un petit pronostic de vous-même. Voilà, bah en tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce podcast pour terminer tout en finesse et en beauté ? Bah, qu'on a détruit l'humour. Surtout... C'est vrai, on a détruit l'humour. Bon, Axel est très bien placé pour parler. Oh, merci Axel. Il y a vraiment que lui pour raconter des blagues, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a quelqu'un pour parler de patates hein, en plein milieu du podcast. Oui, mais c'est le but de faire des références. Et d'ailleurs, on peut parler de Melvin qui est le référencier de la chaîne. Hein, Melvin? Oui, je n'ai jamais entendu parler de patates encore. Oui. Bah, si, j'en ai parlé après de patates. Parce que j'ai essayé de revenir sur les. Essayer de faire un rapport entre patates et catch, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de patates, on salue Kevin Owens. Oh. Allez, très bien, termine ce podcast. On va terminer ce podcast avant que ça parte vraiment en rouille. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager tous vos avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. On se retrouve pour la semaine prochaine. Peut-être avec Guillaume, on espère. C'est vrai qu'il est vraiment dans les révisions ces temps-ci. On espère qu'il sera là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gars. Ciao. Ciao.